je viens d'accepter un nouveau boulot et désormais ce sera ça, mon nouveau studio pour faire les vidéos parce que je n'aurai plus vraiment beaucoup de temps. Et voilà, je suis obligée maintenant de jongler comme ça parce que il n'y a pas le temps. Okay. Mais avant, je dois aller déposer quelques colis à la poste. Voilà, j'ai aussi acheté ça. Ça, c'est pour tenir la caméra pour faire la vidéo. Okay. Voilà, j'ai posté une vidéo sur mon statut où j'ai demandé si vous connaissiez le produit Alia parce que voilà, ça me tentait parce que c'était quand même moins cher et vous avez été beaucoup très nombreux à répondre. Merci déjà, merci beaucoup parce que ça m'a beaucoup aidé, ça aide beaucoup. Et je vais poster quand même quelques réponses. Mais avant, je vais partager avec vous quelques moments des vacances qu'on a passé avec notre cher Edouyen. Edouyen. Bumi, are you enjoying your walk? He's trying to get to the car. Hello. Hold on. Wait. Wait. Are you enjoying your walk? Huh? You lost, maggot. Who you call it, maggot? You hear that? What's up? Let's go sell him. Say hello to your potential buyers. Oh, no. What's up? Okay. How y'all do? How y'all do? Avant, j'ai essayé de mettre aussi une autre marchandise en vente. Mais cette marchandise, elle n'a pas dit la vérité. Elle dit qu'elle aime, il dit qu'il peut amener les femmes au restaurant, il aime les dîners de soir, les trucs comme ça. C'est un gros menteur. Maybe I will sell this merchandise too. Hello. Oh yeah. Hey. I can put you on sale. Yeah. What's going on, ladies? You say don't give. Yeah. I got a lot to offer, and I know you got a lot to give. Yeah, nobody wants what you have to give. Okay. So these are my two merchandise working. Let's see. Merchandise one. Merchandise one. Maybe. No, you're the best merchandise. That merchandise. What's up? What's up? So how, what you got to offer, merchandise one? What I got to offer? Well, I got a decent sense of humor. Good head on my shoulders. I love to cook. I can do anything in the world. Exactly. Impréparé. I ain't got no money. I just got me. Oh, who cares about that? Merchandise too. Yeah. Merchandise too. What you got to offer? Oh, ladies, if you come with me, I love romantic evenings, going out to dinner. You liar. Mais bon, en fait, non, je blague. Comment je peux vendre ma marchandise privée? Je peux pas. Ça c'est ma part. Ok. Donc, voilà. Edouyen, c'est un garçon très gentil, vraiment très serviable. Et quand on est arrivé là-bas, on nous a donné sa chambre, nous on ne savait pas. Il nous a simplement dit, écoutez, dans le, comment dire, dans l'armoire, dans le dressing, non? Donc sur les tables de nuit là, il y a des snacks là-bas, c'est-à-dire qu'il y a des petits goûters si vous avez faim dans la nuit ou bien sous les manches, quelque chose, il y a des trucs là-bas. Alors on a trouvé plein de choses là-bas, des gâteaux, des biscuits, des bonbons, des trucs comme ça. On a passé le temps à manger. Et bon, voilà, mais quand on part, on a glissé $20 dedans. Et sinon, après, c'est un garçon qui il tond le gazon, il prépare très bien, très gentil, vraiment très gentil. Il a dit qu'il n'a pas l'argent, mais bon, on s'en fout, n'est-ce pas? C'est pas ça le plus important. Ok, bon, maintenant pour revenir à notre chère question du jour, je demandais si vous connaissez le produit Alia. Parce que quand je suis arrivé à Macari, c'était hier,
j'ai vu ça, on m'a parlé de ça. Bon, je connaissais pas trop. Je voyais ça là-bas tout le temps, mais bon, franchement, je suis pas trop fan des nouveautés, comme je vous ai expliqué. Les nouveautés là, je suis pas trop moi dedans, parce que quand c'est nouveau, les gens n'ont pas encore vraiment utilisé, on sait pas si c'est bon ou pas. Le vendeur, lui, va toujours te dire, ou bien le fabricant, il va toujours te dire, non, c'est bon, c'est si, mais qu'est-ce qu'on en sait? Alors, moi, j'aime toujours savoir si les gens ont quand même utilisé. Et voilà, heureusement, vous avez été très nombreux à participer, à me dire si oui ou non, vous connaissiez quelqu'un, ou bien si vous-même, vous avez déjà utilisé. Et je vais poster quelques-unes de vos réponses. Comme ça, les autres aussi vont lire. Bien sûr, je ne vais pas poster les noms. Voilà, donc conclusion, je pense qu'on va d'abord un peu attendre avec Alia. Je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine de commercialiser ça pour le moment. Maintenant, vous savez que c'est possible d'avoir ça si quelqu'un veut, mais je ne pense pas que ça fera partie des produits que je peux vraiment conseiller aux gens. Hein. Je vais continuer à poster. Donc en faisant cette vidéo, pour le moment, les réponses que j'ai eues ne sont pas vraiment très très positives. Raison pour laquelle je dis que je ne vais pas lister le produit dans le site. Ok, et n'oubliez pas, le festival, je poste déjà quelques vidéos pour vous donner un peu l'idée de ce que c'est. Les projections des films, il y aura également la croisière de 2 heures avec buffet et des photos sur tapis rouge avec des artistes, les comédies shows, tout ça. Bref, plein de surprises. Et aussi, une autre chose qui arrive, Lady Justine, vous vous rappelez de Lady Justine? Oui, Lady Justine de la France qui nous a fait son témoignage la dernière fois. Ce que vous avez vu la dernière fois, c'était l'aperçu d'une des vidéos, une photo qu'elle m'avait envoyée où elle avait commencé à trouver une amélioration. En tout temps, elle a eu un petit souci quand même. Et voilà. Mais je pense que ça va beaucoup mieux. Donc, elle a fait une autre vidéo où elle a donné encore son avis sur tout ce qu'elle utilise, sur les problèmes qu'elle a eu et tout ça. Et bon, je vais la poster prochainement. Et je viens d'arriver à la poste. Je ne veux pas être en retard aussi au boulot. Donc, on se dit à la prochaine.